tout le monde, on est reparti sur du Zompierceur et je reviens armé de tous les bons conseils que vous avez laissés dans les commentaires. Il y a de bonnes petites choses et je vais d'ailleurs fabriquer une pelle. On m'a dit que je peux creuser à la plage, il y a des tas de sable et il y a normalement des ressources à l'intérieur. Très bon conseil, donc hop, on ramasse la pelle. Je vais d'ailleurs la mettre à la place de la grenade. Il me faut également la clé anglaise. On m'a dit que ça... Ouh, j'ai pas assez de ressources. On m'a dit que ça va me permettre de démonter les tonneaux. Donc ça me fait une source de ferraille en plus. Hop. Voilà. Et je peux normalement me servir du marteau pour détruire les chaises et récupérer du tissu et du bois. Donc encore quelque chose de pas mal. Alors pour le moment, comme ça. Je vais remettre la ferraille. Un petit peu plus de bois. On va poser le reste dans le stockage là. Parce qu'il me faut faire de la place. Donc la nourriture, moteur, bois, tissu, l'argent, l'eau. Ça, on n'en a pas besoin. Tant qu'on ne le répare pas, pas besoin de se trimballer avec. Pistolet. Je n'ai pas de munitions sur moi. On va quand même le garder. Ça me fait combien? 10 kilos. Côté soif. Bon, faudra boire. Alors du coup, on va tester le marteau. Je crois qu'il y a une chaise là-dedans, si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a une. Ah, ok, clic droit. Ouh, alors ça va me donner donc un bois, un tissu, deux bois, un tissu. Ah, je peux pas péter les tables, je peux pas péter les lits ni les meubles. Bon, bah, juste les chaises, je sais pas pourquoi juste les chaises, mais on va prendre. Et alors oui, du coup, ça, on m'a dit, ça a pas l'air de fonctionner pour les bidons. Ah, donc c'est juste les barils bleus qui peuvent être démontés, pas les rouges. Ah, les rouges sont explosifs, donc je comprends. Ça ne va pas fonctionner. Alors, au passage, il n'y a pas beaucoup de choses plus flippantes que de jouer à un jeu avec des zombies et d'entendre la porte juste derrière soi qui grince et qui s'ouvre tout seul. Oh là là, ça m'arrive là depuis tout à l'heure. C'est sûrement le vent, mais bien flippant. Alors, j'ai commencé déjà à bien démonter les choses. J'essaye d'être rapide. On est combien? On est déjà à ou 30 kilos parce que j'ai 20 de bois. J'essaye d'être rapide parce que je veux finir avant la tombée de la nuit. Et je ne veux pas utiliser trop de nourriture, parce que plus je reste là, plus il va falloir boire, manger. Et là, je vais plus en ramasser d'autres, vu que j'ai déjà tout récupéré. Donc, ouais. À moins qu'il y ait... J'ai cru voir un... Donc là, j'ai cru voir une pop-up. Ah, c'était peut-être pour ça, là, ouais. Okay. Ah, très bien. Alors, une autre chaise, même deux. Voilà, ça, c'est génial. Ça va me permettre de bien... améliorer le wagon. Je me dis, un de mes objectifs pourrait être... Il y en a un autre. Un de mes objectifs pourrait être de le fermer. Au moins une partie du wagon que l'on a. Comme ça, on va être tranquille. Je me demande s'il est possible de construire d'autres wagons dans cette version du jeu. C'est pas encore là. Ah, il y a un zombie. Alors, viens. Parce que toi, c'est l'XP gratuit. Voilà. Alors, on m'a dit que parfois, je rate parce que le petit point est juste 1 mm à gauche du zombie. Et donc, faut vraiment que le point soit sur le zombie. C'est effectivement possible avec les mouvements du personnage et tout que ça rate à cause de cela, mais un petit peu frustrant. J'aurais préféré que le jeu prenne en compte la présence hein, plutôt que le point, la présence de l'arme hein, là où elle passe plutôt que le petit point. Mais bon, c'est comme ça. Alors, hop, on a combien? On a 36. On a encore un peu de place. Et là, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas un bidon bleu? Non. À l'étage. Ça aurait été cool de ramasser ça. De toute façon, il m'aurait fallu faire des allers-retours. J'aurais jamais pu tout ramasser en un passage. Donc, de toute façon. Il fallait revenir. Il y en a également là. Il y a un petit zombie qui m'a touché, qui m'a surpris, qui est encore dans le coin. Ok. Ah, on peut également démonter ces chaises en métal. Je crois que c'est du métal, ça. On est à 42, 43 sur 48. Ouais. Ça bruit. C'est bizarre. Ok. Bah, je vais continuer, mais je vais devoir rentrer un moment. Plus de bidons en métal bleu. Et le soleil commence à baisser, donc je pense que je vais devoir dormir et revenir ensuite. Parce que... Ouais, je crois que ça je vais pas pouvoir le ramasser, on va quand même essayer de le démonter.
Ok, on est trop chargé. Donc je vais repartir. Alors il n'y a pas de zombies normalement. Donc je préfère l'aller-retour la nuit. La chose est que la nuit est vraiment sombre. Ouais, la petite trempe pour monter et aller au train. J'ai eu du mal à la trouver dans dans la vidéo précédente quand je suis revenu que je faisais nuit. Donc, ouais. Ah là là, il pleut et on est déshydraté. On peut pas courir la bouche ouverte. Ah, ça y est, il n'y a plus d'eau, ok. Oula, ok. Plein de bidons, j'ai oublié de les passer par là. Tac, on m'a signé d'ailleurs que le train en France, c'est vrai que je ne me suis pas servi du train. Pas grave, hop, hop. Ouh, on est plein. On est plein, problème. Alors. Qu'est-ce que je pourrais faire? Meubles, on serait plutôt... On va faire... pour se marrer. Allez. Allez, faut que je boive. Je sais pas combien je suis, si je suis genre à 0% ou... Ok, on est à 20%. Où est-ce que je peux te mettre? Je peux te mettre là. C'est parti. Pourquoi pas? Ok. Hop. Ouais, là, j'entends les criquets. Alors, on va récupérer ce qui est le plus lourd. Maintenant, je vais mettre là. Alors, je vais poser le métal. Vous voyez, ça n'a pas de limite de poids. Donc, c'est parfait. On va mettre le bois. Après, ça va être difficile de ramasser ce que l'on veut exactement, je pense, mais donc le reste... Alors oui, on va boire. On va manger. Et là, on est à quoi? Ouh, on est assez bas encore en eau. On a des bouteilles d'eau. On va boire... Ah, et là j'ai le boost d'endurance. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mangé qui m'a donné ce boost? On va te mettre là. Plastique. On va poser ça. Alors, je vais tenter mon coup. Oh, ok, je suis tombé. Je vais tenter mon coup, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, normalement, il n'y a pas de zombie. S'il y a un zombie, je suis fichu. Ok, ça va être pour le retour. on va y aller. Ah, est-ce que je peux voir la plage avant? Et là, regardez, mon endurance se régénère super vite. C'est pour ça que je veux y aller maintenant. Parce que j'ai le buff d'endurance. Encore de la lumière. Alors, il est censé y avoir... Je crois que j'en vois un, là. C'est ça? Ah. Ah, ça m'a donné... Oh, d'accord, du sable. D'accord. Bon, ben, on va ramasser le sable. Alors voilà, regardez là, c'est un bidon, c'est quoi? Il y a quoi devant là? Dur à voir, je vois même pas les ressources au sol. Ok, c'est là que... Non, c'est pas un bidon. Alors, toi, non plus. Il n'y a pas de torche, on peut pas faire de torche. Là-dedans. J'ai bien ramassé ce qu'il y a là. Je vais pas t'allumer, ça va être un bras zéro éteint. Ouh, je suis rentré. Ah, oh, ça fait du bien. Bon, il pleut. Du coup, un dernier baril. Et là, on a pas mal de ressources. Ah, je suis surchargé. Ah, oh, mince. Du coup, ici... On va mettre la terre, on va plutôt ramasser, ça doit être lourd. On va mettre ça là. Voilà. Pourquoi il y a trois petits points là? Ah, édité. D'accord, ok. Je pensais qu'il y a quelqu'un dedans qui voulait me parler. Alors on va peut-être commencer à avancer. Bon, ouais,
l'appart qui grince derrière moi. Maintenant, si je peux mettre un toit que je me rappelle, ça se fait avec quoi, avec ça? Ah non, c'est un mode construction. Toit et sol. Donc, j'aimerais faire... on n'avance pas. J'espère que j'ai pas claqué du carburant pour rien. Du coup, alors je peux faire un toit, mais là où c'est quoi, je voudrais un étage. Donc, il faut du bois. On va ramasser le bois qu'il y a là-dedans. Le fer qu'il y a là. Et toi. Alors. Là, ça va être comme ça. Ici, c'est là que l'on va rentrer. Déjà, protéger lui. Voilà. Il n'y a rien devant. Il y a l'air de rien avoir. Ah, on a faim. Oh, et ça ne tombe plus là. C'est parfait. Bah, on va manger ça. Est-ce que je mets une porte là? Je pense pas que c'est nécessaire. Ok, j'ai cru que j'ai gâché un petit peu d'eau. Donc si je veux faire monter, je pourrais faire monter là. Alors ce que je voudrais voir, c'est escalier. Si je prends toi, je pourrais te mettre... Ah, je peux pas voir le... Il faut sûrement... Ça avant. Ah, j'ai peur là. Super. Est-ce qu'on a de la lumière à l'intérieur? On a où en carburant? On a 91. On continue un petit peu. Maintenant. Fasse gaffe parce que je veux pas gâcher du carburant à faire marche arrière. Ça a l'air bon. Wagon en bois. Mais j'ai rien. 60 de carburant, ça m'inquiète. J'ai raté quelque chose ou... Alors, j'ai un bidon. Je sais pas si elle... Ah. Ok, alors. Le frein est là, hein, ouais.
Première fois que je vois un zombie qui vient jusque là. Ok, toujours deux. Les zombies sont pas plus costauds. Super. Du coup, alors on va éteindre le moteur déjà pour pas claquer plus de ressources. Le frein est en place. Quoi? Ah, là-bas. Ça m'a fait peur. Du coup, je pense que je peux quand même mettre. Alors, attends, on va te poser comme ça. Pas besoin de mettre, je pense, une vitre. Une vitre, une fenêtre. Question. Est-ce que je peux. Oh. Ah oui, non. ok, il faut. Faut aller clic droit. Et ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'armoire là qui veut me parler. Et alors, j'ai changé ça en fenêtre et j'ai apparemment pas assez de ressources. Du coup. Je pense qu'il va falloir dormir. Peut-être éliminer un petit peu ce qu'il y a à côté. Ah ouais, bah c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Je pense qu'il y a ça là-haut. Dégâts de chute? Non. Alors. Non. Non. Je vais pas démonter ça, dommage. Donc c'est là que. Il y a quelque chose à faire là. Je me rappelle plus quoi, de l'électricité ou un truc du genre. Voilà, un autre se réveille. Voilà, elle frappe la fenêtre. Ou la porte fenêtrée. Mais ça c'est terrible pour moi. Oh, oh, ça c'est pas juste ça par contre. Ok. Alors, on voit pas grand chose. Mais on a normalement plein de ressources dans le coin. Et ça c'est pas démontable. Hein. Quoi ça? Ah, un sac. Ah ok, tu m'as fait peur. Oula, j'ai appuyé sur l'esquive, mais elle n'a pas été faite. C'est pas grave, on a des bandages, on a tout ce qu'il nous faut. C'est juste un peu du gâchis. On peut pas démonter la porcelaine. Ouais, ça, il y a encore de la lumière. Donc finalement, c'est juste la pluie qui donne l'impression que... C'est bon. Que la nuit arrive. Ah. Ça. On a besoin de beaucoup, beaucoup de bois pour continuer notre, notre développement. Ah, vraiment... Plein de choses dans les bagages. Petite mine d'or. Et de l'eau surtout. Parce que je commence effectivement à être bas en réserve d'eau. Et là j'ai quoi? J'ai déjà deux bouteilles, un petit peu de nourriture. Ou 15 bandages. Les bandages, je crois qu'il y en a un qui reste de ma sortie précédente. Je crois pas que j'en ai ramassé 15 là, parce que ça me paraît élevé. J'aimerais bien une lampe torche, mais il n'y a rien là. Je crois que j'ai tout. Ah, l'électronique dans le PC. Ah, je crois qu'on a besoin de l'électronique, oui. C'est ça, on a besoin d'électronique ou un truc du genre pour activer la pompe. Et je crois que c'est ça. Ouh, c'est ça l'histoire. On est à combien en poids? À 39 sur 48. Bon, je vais peut-être faire un petit tour. Parce que là, je dois repartir. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'il n'y avait pas de chaise, d'ailleurs? Je pouvais... Non. Pas de tonneau. Beaucoup d'ennemis à l'extérieur. Ah, et j'ai même un bidon, d'accord. J'ai trouvé un bidon, je sais même pas où. Oh! Je t'ai vu en... Ah, pourquoi? Pourquoi il a pas fait son attaque? J'ai cliqué! Ouais. Allez, là, c'est là. Ok, là j'ai. Là... Ouh, là j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pas grave. Enfin, un petit peu, mais. Alors. Ah, il peut plus. Alors, on va
mettre le tissu là-dessus. Le bois. Ok, alors le bois on va te ramasser. Et on va te poser là. L'électronique va là, on reviendra plus tard. Je vais récupérer l'argent. Voilà. Tac. Tac. Ah, je crois que j'ai récupéré en fait ça d'avant parce qu'il était. On n'a pas besoin. Tac, tac. Grenade, on va garder. Alors j'en pose là. Côté soif. Ok, on est bon. On va manger ça. Et j'ai peut-être pas besoin de autant de. Bon, bah on continue, hein. Je devrais trouver d'autres bandages. Je vais peut-être sortir l'arc à un moment également. Ah. J'en ai oublié en fait, faut faire gaffe parce que. Vraiment pas démonter ça. Ah. Ah, je crois pas que j'ai ramassé ce qu'il y avait dans les. Dans les meubles sur le fond. Ah, toi. Salut Bob, si tu dois allumer le courant dans la station service, viens chez moi, j'ai la clé. D'accord, faut trouver la clé en fait, pas forcément. Ah, ok, c'est là, faut la clé pour là. Okay. Un peu d'argent, un bandage. J'ai pas rêvé, hein. Ah, de la lumière, enfin. Ça. Oh. Plein de ressources là. Et également les bagnoles. Devant, derrière et tout. Le moteur, je sais pas encore à quoi ça me servir. Coup de clé à molette. Ah ouais. Je pense que ça va être difficile de tout ramasser, mais bon, je vais pas me plaindre. C'est le genre de difficulté que j'aime. La difficulté due à l'abondance. Ouh, ça c'est bon. Alors, par contre, si je vais aller ramasser ce qu'il y a derrière, il va falloir faire le tour. Il y a des choses partout, c'est incroyable. Je peux pas l'avoir là. D'accord. Alors quel côté prendre? Est-ce qu'il y a quelque chose côté moteur? Ouais. Mais c'est vide. Kilos. Il m'en reste 14 kilos. On peut pas sauter hein, dans le jeu. Donc. J'ai pas ramassé l'autre côté, ça me surprend. On a 44, donc plus que 4 kilos. Okay. Ah. Ah. Je récupère un peu d'énergie. Voilà. Voilà. La tête du zombie vacille un petit peu et c'est pas toujours évident, même si. Ok. Donc ça c'est rapide. Ok, oh, super. One shot. On m'a dit que le couteau permet également de one shot les ennemis si on les attaque dans le dos. Est-ce que je peux récupérer ma flèche? Ouais. 45.
Dommage, quand le coffre est ouvert, il n'y a rien donc on peut ramasser. Oh, sur ça, ça crache. Ah. Ouh. Ok. On a monté le level au passage. Ah, on va se soigner parce que je veux pas. Et on a dit qu'on allait mettre dans l'endurance. Voilà. Ça va être nécessaire. Ah, toujours, il nous faut de l'XP. Hein. Ah, alors. Ah. Ok, je m'attendais pas à la one shot. Je commence à. J'ai déjà fait un aller-retour pour déposer des ressources. Je commence à avoir pas mal de choses et avoir bien fouillé. Donc ça, c'est pas mal. Je suis pas encore allé trop loin. Je suis en train de vider cette zone. Alors, toi. On va récupérer la flèche. Ah! J'ai cliqué un peu. Ah, cavoté. Voilà. Elle était où? Elle est là. La flèche est ici. C'est une bonne ressource. C'est cool. Ça me permet de vraiment agrandir le wagon. Vide. Et vide. Alors. Oh! Ok, ça t'a surpris un peu. Oh! Voilà. J'ai presque fini de ramasser là. J'aimerais ramasser ce qu'il y a sur ces derniers véhicules et rentrer. Voilà. Avant la tombée de la nuit. Parce que sinon, je vais même pas pouvoir naviguer le labyrinthe de véhicules. Ah, il y en a d'autres là-bas. Ok, on va s'arrêter là. Je suis à 47 sur 48 kilos de toute façon. Donc on retourne, on dépose ça. Il va sûrement falloir aller là-haut pour la clé. Je crois que c'est là-bas que c'est. Dans la logique. Voilà. Et on va poser ça là-dedans, du coup. Ça va aller là, on voit rien du tout. Est-ce que c'est posé, je crois? Ça là-haut. L'argent. On va faire une pile de billets. On a le tissu là. 3 de plus. Les planches, je crois que ça se met dans le coin. Voilà. Et ben, on va dodo. Hein. 12 heures. Voilà. Bon, alors, je voudrais faire quelque chose là-haut. Donc, je voudrais... Toi, au bout. Que je réfléchisse, comment est-ce que je vais m'y prendre. Je vais peut-être faire une cabine de 2 cases. Donc là, il faudrait une porte. Ouais, allez. Toi... Là. Ah, il va falloir récupérer le bois. Tac, tac, tac. Et tac. Enfin, non, le bois était là. Je sais pas si j'ai assez de bois. J'ai pas beaucoup de bois. Ouh. Ensuite. J'ai pas assez de bois. D'accord, on va revenir plus tard. Je m'attends à plus de bois quand même. Ah oui, le métal, on va le reposer, parce que ça sert à rien de se trimballer avec. On va devoir manger. Et boire. Parce que je suis assez bas, hein. On va remonter. Ouh, j'ai peut-être mis. Ah, et ça revient un petit peu d'eau également. On va boire ça. 80. Ok, à chaque fois je m'arrête un petit peu avant, c'est parfait. Non. Clic droit. J'ai fait clic droit au lieu de mage clic droit. Les moteurs. Allez, poser là. Ensuite, de l'eau. Ah, on va passer droit.
suis à 11 kg sur 48 et on est 99% d'eau. Bon, on est reparti. Est-ce que je réparerai pas? Si je veux réparer ça. Ah, il me faut un kit de réparation basique. Est-ce que ça se fabrique là? Non. Qu'est-ce qui me permet de faire un kit de réparation basique? Si vous le savez, dites-le moi. Je suis bien intéressé. Donc, on a un petit peu de choses à faire. Je crois que j'ai tout ramassé ce qu'il y avait là. Je vais peut-être aller là-bas avant de partir dans cette direction. J'ai peut-être pas ramassé tout ce qu'il y avait dans les coffres dans le coin là. Là-bas, c'est un rapide. Ah, voilà. J'ai arrêté avant là. Ah, ah, ok. D'ailleurs, je suis presque au level up. On est à 212, donc aux deux tiers. Alors, j'ai déjà fait un aller-retour. Vu que j'ai trouvé deux bidons qui faisaient 22 kg eux tout seuls. Voilà, alors. On va commencer à grimper là du coup. On a 100. Est-ce que j'utilise des flèches ou est-ce que j'utilise ma massue? Ah, parce qu'il faut faire attention à sa durabilité. Voilà. Plein de loot sur le chemin. Oh, où est-ce que ce truc? Ah, je peux pas esquiver ces attaques. Ok, bon, on va essayer de le headshot plusieurs fois. Vite. Eh, mais t'as combien de points de vie? Purée. C'est quoi ce truc? Le qu'est-ce que... C'est un bushman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a poussé dans son dos ou il les a mis lui-même? Bon, on va utiliser... Heureusement que j'ai décidé de prendre un peu de bandage pour m'aider à survivre. Ah, ici. Je m'attendais pas à trouver ce type de monstre, par contre. Donc, est-ce que maintenant je dois méfier des buissons, maintenant? Et il m'a repéré de super loin. Ok. Ouh, alors ça, c'est un gros... Je pense qu'on va y aller avec la grenade sur lui. Bon, je pense que ça valait les deux grenades parce que je pense que je pourrais mourir sur ça si je ne fais pas gaffe. Donc, je suis assez mort. On va démonter les barils. Là, j'ai gagné du level en point de vie ou en force. On va prendre en force. Comme ça, plus de dégâts et plus de choses que l'on peut transporter. J'entends les bruits de pas. Et toi, pas de problème. Alors, est-ce que je peux te one-shot? Non, toujours pas. Dommage, on n'a pas leur barre de vie, donc je ne sais pas à quelle distance je suis du one-shot. Genre, est-ce qu'un point supplémentaire suffirait? Genre, là, je suis un petit peu au-dessus de la moitié de leur point de vie retiré à chaque balle, je sais pas. Et toi? J'aime pas ces rapides. Voilà. Bien 52 kg, j'étais quoi? J'étais à 48 avant, donc j'ai gagné 4 kg avec le point en force. Je crois que c'est toi qui fais le bruit, j'espère. Je crois qu'il y en a deux. Non? Purée, il fait du bruit hein, pour un seul zombie. Du coup, je sais même plus d'où je viens. Je viens d'en bas. Il y a un truc là-haut, et il y en a un autre là-bas. On va déjà là. Regardez-moi tout ce bon bois là, je peux pas le choper. Hein. Après, j'ai pas de hache. Non, pas toi. Non. Je peux pas aller là où elle est. Apparemment, je peux éviter son attaque
me mets derrière elle. Donne bien quoi, ça marche pas trop. Ok, on va s'éloigner et on va la snipe. Que les zombies vont plus vite que moi. Même quand je cours. On va faire soif, j'ai pas d'eau sur moi. Ah. Ah. Vraiment ? Pas d'eau, on a des médicaments. Je suis à combien d'eau? Je suis à 23%, mais on devrait pouvoir tenir. Là-dedans, on doit avoir de l'eau. Oui. Voilà. Kit de soins. Plus d'eau et nourriture, ça c'est bon. Allez, de l'argent pour ma pile. Ah, billet, ok. Ticket, ok. J'ai de chance. Patate. Quoi ça? Les haricots et les patates, ok. Ouh, c'est cool ça. Là, j'ai vraiment du très bon loot. Pas de chaise en... Si. Faire gaffe. Un zombie. Dommage ça. Rien. Ah. Ok, on a la clé. Les bouteilles d'eau là, elles sont tombées à une vitesse. Ah bah tiens, on va en utiliser. Pas de chaise par contre. On va voir combien une bouteille donne exactement. Pas de bidon. Ah, ça va un peu plus que 25%, peut-être 30%. Et là, on a 42 sur 52. Hmm. Ok. Sortir l'arc un peu. Ah, ça les headshot pas. Enfin, les one-shot pas qu'on... Mince, ok, bon bah. C'est simple. On évite le gâchis de balles. De flèches. C'est vrai que j'ai un pistolet également. À force de ramasser des munitions, va falloir s'en servir à un moment. On a quoi? 42. Ah, oh, toi, ok, toi, par contre. Non, mais. Voilà. En fait, quand j'ai lâché. Pour débander l'arbre, l'arc. J'ai réappuyé, mais l'animation s'est pas lancée. Donc j'ai lâché pour réappuyer, mais elle s'est lancée avec un différé, un temps, un délai. Ce qui fait que... Ok, ça, pas juste parce que l'animation était pas démarrée. Voilà. Ce qui fait que du coup, ça a lancé la flèche, ça... Voilà. Alors, ici... Et toi, je sais que tu vas te lever, hein, non? Si. Ah, bien sûr. Le gars, il est assis, j'arrive même pas à le toucher. du coup. On loot le tout. De bonnes chaises. Par contre, ouais, là, on va être juste en point. 45, ça va, encore un peu. Alors, il me reste un petit peu de bois, là. Un de bois. Est-ce que je peux faire assez de place en mangeant? Ouais, on va essayer de faire juste de la place, si possible, parce que comme ça, j'ai absolument tout ramassé ce qu'il y a là, et je n'ai pas à revenir ici plus tard. On va boire un petit peu. Ah ouais, je suis à 51.8, là. Ouais, non, je vais pas avoir pensé. Ah si, j'ai pu le ramasser. Ok. Bon, bah, on peut partir. Et au passage, on peut donner des coups sur les fenêtres. Ça fait pas mal de bruit, mais... J'ai cru voir un... Ah, ok.
J'ai ramassé ce qu'il y avait de l'autre côté de la maison, dans le jardin. Et du coup, on rentre. Parce que ça ne sert à rien d'aller là-bas. Et vous savez quoi? On va continuer l'étage. On va être fou. On va claquer notre bois. Mais on est comme ça. Alors. Je vais mettre. Ici. Le marteau est presque cassé. Donc c'est là que je vais bouger mon lit, à l'étage, encore plus en sécurité. Ça résiste, hein. Allez, hop. Voilà. Ensuite, il y a le toit d'ailleurs. Est-ce que je peux le poser? Ouh. Ok. Première fois qu'on va mettre un toit, je préfère un étage plus haut. Mais je me dis, je préfère un étage, un troisième étage là-bas, si vraiment on a besoin de place. Voilà, au moins si je fais ça, pour avoir... protection contre l'eau, la pluie, pont métallique. Mmh. Mmh. J'aurais peut-être dû mettre ça, ça aurait été peut-être été mieux. je sais pas ce que c'est ça. Fenêtre. Ouh, on peut mettre des fenêtres. Alors, mur. Genre, si je te mets là, je me fais une petite véranda là avec les fenêtres. On va falloir faire fondre le sable, je suppose. Mmh, le côté là où il y a le mur. Ah, ici. Ça, ça peut être pas mal, ça. J'aimerais bien mettre un fermé là, donc ça, il va falloir changer la position d'escalier. Je voudrais faire ici une petite porte et avoir là une espèce de... le petit jardin. Là, j'ai pas assez de ressources. Toi, démonter. Ben, ça va attendre un petit peu. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que l'on a assez progressé pour vous. On a fait pas mal de choses. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. On va faire le plein et on va voir ce qu'il y a à l'autre endroit. Je me rappelle plus trop ce qu'il y avait à l'autre endroit. Et puis, on va ensuite partir. Alors, oula, il y a tellement de choses à virer là. Ah oui, la clé, ça, c'est à garder par contre. Ça va là-dedans. L'argent, on va le poser sur notre pile. Voilà. On la pose là. Super. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!